السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا النهار هذا غنوجد معكم طاجين ديال الحوت الابيض، طاجين بواسون بلو. Ça c'est du poisson blanc et je vais faire le valeur de 4 cuillères de riz demi-cuisson. 1, 2, 3, 4 cuillères. Un bouquet presque de persil ou coriandre. يعني قبطة ما بين القزبر والمعدنوس هي هذه. عندي 5 غوص دو لاي، جو فير لا موتي ici et je laisse la moitié pour la sauce. Ici j'ai une cuillère de paprika, tahmira, curcuma, gingembre, une cuillère comme ça. Sel, poivre, حسب الذوق. Là je vais laisser un peu de tout pour que je le mette dans la sauce. J'ai un mélange de épices de poisson. Si vous n'avez pas, tu le fais pas. Le sel, chacun son goût. Moi, je mets une petite cuillère. Donc, on va laisser ça pour la sauce. 2 cuillères ici. Voilà, comme ça. L'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, tu peux mettre l'huile normale. Ici, j'ai un œuf. Comme ça. On mélange tout ensemble. Mélangez tout à la main. Voilà, j'ai mélangé bien avec une cuillère. Mais il faut que je pose ma main. On fait des boulettes. On a salé les boulettes du lait. On dit le boro, poireau de mon jardin. انا ملي كنغسل البورو كنفرقو على جوج باش نشوف دوك الكليات تاوعو واش فيهم التراب ولا ما فيهمش. فوالا كيطلقوا واحد الريحه وواحد البنه زوينه مع الحوت. ديميسي هنا un quart de verre comme ça d'huile d'olive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 7 cuillères. J'ai le poireau que j'ai coupé avec vous. 2 gouttes d'ail qui restent de tout à l'heure. J'ai mis la pomme, je suis revenue. On a baissé le volume. J'ai fait 5 tomates. Ça dépend combien de personnes font. On va mettre ce qui reste du pisse d'atala. Paprika, gingembre, curcuma, sel, poivre. On va faire comme ça. J'ai un peu d'épices de poisson qui reste ici. Je vais bien mélanger. Je vais mettre du sel ici. Un peu comme ça. Je mets un peu de persil et de coriandre. Un peu il reste pour tout à l'heure. Pour la fin, je fais un peu de tomate que j'ai fait moi-même. Le tomate de mon jardin. 3 cuillères. Je suis à Marie Belva. Voilà, je suis venue. Je vais poser mes boulettes de poisson. Je fais avec vous. Voilà. Et voilà. Pour les décors et les goûts, on a le poivre rouge. On va le poser n'importe comment comme ça. Il y a que t'as une huile d'azouine à faire du hout. N'oubliez pas le citron. On va ajouter un peu de kouzbar et le madnous, les châtelliers, le khalhaka. On va ajouter un peu de tajine.